Voilà. Évidemment, ce n'est pas grand, c'est une chambre de bonne. Ça tombe bien. Oui. Enfin, non, de bonne, ce n'est pas le mot qui convient. De jeune fille au pair, d'assistante familiale. Et de ménagère. Ah non, ah non, non. Dans le ménage, c'est moi qui le fais. Non, non, je l'ai toujours fait. Cette maison, il faut la connaître. Vous êtes charmante. Bon, alors, dites-moi tout, est-ce que ça vous irait? Oui. Oui, pour faire mes études, ce serait bien, oui. Oui. Quel genre d'études? Relations publiques. C'est le ciel qui vous envoie. Pourquoi? Eh bien, parce que... Enfin, le... Asseyez-vous. Vous avez soif? Non, merci, non. Et faim? Vous avez faim? Non, ça va, je viens de déjeuner. Et vous pouvez fumer, ça ne me dérange pas. Moi, ça m'arrive, mais rarement. Je ne suis pas une femme d'excès. Mon frère, il a voulu arrêter. Il a essayé le truc, là. Il s'est fait faire du... Oh, mais... Enfin, bref. Vous vouliez peut-être me dire quelque chose? Moi? Ben, je ne sais pas, peut-être à propos de mon travail. Ah oui, oui, oui. Oui, votre travail. Vous savez, moi, en cuisine, je suis pas hyper douée. Hein. Alors non. Alors ça, non. Non, non, non. La cuisine, les courses, c'est Robert. Son domaine, la cuisine. On se demande d'ailleurs ce qu'il trafique là-dedans. Et il n'y a pas d'enfants à garder? Bah non. Bah alors? Vous êtes sûre vous n'avez pas faim? Oui. Donc, oui, donc vous vous demandez... Ce que je dois faire au juste, oui. Oui. De l'acupuncture. C'est ça qui s'est fait faire, mon frère. De l'acupuncture, pour arrêter de fumer. Et ça a marché? Non, pas du tout. Oh tiens, ça me fait penser qu'il n'y a pas de drap dans la chambre là-haut. Non, mais ça va, j'en apporterai. Non, 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 c'est un format spécial. Ah oui, alors si c'est un format spécial... Mais Vert, où ça ira? Suis-moi, hein? Mais où je suis? Vert, c'est bien pour les relations publiques. Oreiller, traversin? Rien, rien, rien. Ah bon? Non, non, il n'y a pas de raison. Mais je vous apporterai les deux. Voilà, il n'y a pas de raison. C'était à mon fils. Il n'est plus là maintenant, il est grand. Il fait de la biologie. Et votre mari? Mais non, pourquoi il ferait de la biologie? Non, mais il fait quoi? Ah, il exportait des radiateurs. Mais il a été licencié. Ça lui est tombé dessus, comme un accident de voiture. Depuis, il tourne en rond... Il parle tout seul, il rumine, parfois il mugit. Il ouvre la fenêtre, il se met devant la nuit et il mugit pendant des heures. Puis il boit son vin. Alors il devient violent et il me frappe avec des coups. Un jour il me tuera aussi facilement qu'on tue un poisson, paf, avec le manche d'un tournevis. Je serai là, par terre, bouche bée, comme un rouge grondin. Pourquoi vous restez avec lui? Cette question. Vous êtes chrétienne? Non. Ben voilà. Moi, je suis chrétienne, alors je supporte et je reste. Mais c'est pas une raison, ça! Ben, devenez chrétienne, on en parlera. En plus, je vais pas tout vous expliquer maintenant. Je ne vais pas tout vous expliquer maintenant. Mais... Ah, oh, bonjour, monsieur. Je suis Delphine Toussaint, je viens vous voir pour la place. Vous aimez l'orable de lièvre? Oui. Vous n'êtes pas au régime, au moins? Non. Ah bon? Parce que ça arrive. Passez votre journée à bichonner des bons petits plats pour des gens qui vous font la gueule dès qu'ils les voient arriver. Et pourquoi? Parce qu'ils sont au régime. Si on n'a plus la bouffe, qu'est-ce qui reste, hein? Qu'est-ce qui reste? Mais je n'ai pas faim. Bah, vous savez, il faut le laisser mariner pendant 5 heures. Dans 5 heures, vous aurez peut-être faim. Ah oui, mais moi, ce soir, j'ai prévu autre chose parce que je n'étais pas sûre. Ah bon, d'accord. Oh, je suis désolée. Dommage. Je peux peut-être vous en mettre de côté, réchauffer, vous pourrez y goûter. Oui, bien sûr, si vous me gardez. Moi, je veux bien vous garder. J'ai parlé avec votre femme tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est d'accord, je ne sais même pas ce que je suis supposée faire dans la maison. Comment ça? Elle vous a rien dit? Non. C'est extraordinaire. C'est une idée à elle et elle vous a rien dit. Tenez, posez votre lingerie. Venez avec moi.
Voilà. Ça, c'était la chambre de notre fils. Il se prenait pour U2, Inix, Prince. Alors, maintenant, c'est moi qui dois ici. Oui, je vais vous expliquer. Vous avez peut-être remarqué que ma femme, comment dire, Mireille, a le mental un peu perturbé. Elle n'a pas toujours été comme ça, mais elle est devenue acariâtre. Elle pourrait m'arracher les yeux parfois, vous savez. Je crains pour ma vie, j'ai peur. J'ai peur qu'elle m'empoisonne. C'est pour ça que c'est moi qui fais la cuisine. Vous aimez le faisan? Oui. Tant mieux. Tout a commencé le 17 février. Ce jour-là, il y a eu un mot de trop. Alors on a décidé d'un commun accord de ne plus s'adresser la parole, plus rien, plus un mot. Ouais. Le calme est revenu, mais c'est pas toujours simple, évidemment, pour l'organisation. Tenez, ce matin, elle m'a écrit une lettre recommandée. Monsieur, c'est moi, monsieur. En réponse à votre lettre du 8 mai, je vous informe avoir pris rendez-vous le 10 à 14 heures avec une jeune fille au père afin de résoudre les problèmes de communication dont vous faites si grand cas. Elle est très snob, vous verrez. Veuillez ne pas agréer, ça c'est marrant, la moindre considération. Mireille Palissard. Vous voulez dire que moi... Ben oui. Si vous êtes d'accord, vous pourriez nous servir d'interprète. Mais c'est dingue. Complètement. C'est tout ce que j'aurais à faire. Oui. Bon, d'accord, pourquoi pas. Moi, je préfère ça aux corvées. Et si vous changez d'avis, partez quand vous voulez. Ça marche. I file faces and yours is familiar. I've been around. You say you're a Pete man. Yeah, that's my thing. Prove it. Prove it. You heard the girl tell Gus she wouldn't make the pickup. Yeah, that's right. So you hit Gus and took the key. Delphine? Oui. Voulez-vous dire à Monsieur Palissard que je souhaiterais qu'il évite de produire des bruits agaçants? Monsieur Palissard? Comment? Madame Palissard vous fait dire qu'elle souhaiterait que vous évitiez de produire des bruits. Agaçant. Agaçant. Delphine? Oui? Voulez-vous dire à ma femme que si elle est gênée par les bruits, elle peut toujours aller à la campagne? Madame Palissard? Prêtez? Monsieur Palissard vous fait dire que si vous êtes gênée par le bruit, vous pouvez toujours aller à la campagne. Delphine, je vous prie de rappeler à ce monsieur qu'à la campagne, il y a également des porcs. Ah. Monsieur Palissard, votre femme vous fait dire qu'on trouve aussi des porcs à la campagne. Ah bon? Je vous serais gré de répondre à cette personne qu'il n'y a pas qu'à la campagne qu'on trouve de vieilles endives. Madame Palissard, selon votre mari, il n'y a pas qu'à la campagne qu'on trouve des endives vieilles, de vieilles endives. Ouais. Parfait. Vous lui ferez savoir que si certains porcs n'aiment pas les endives, ils peuvent souper de leur fange. Monsieur Palissard, selon votre femme, si certains porcs n'aiment pas les endives, ils peuvent souper de leur fange. Ah bon? Il dit ah bon. Ah bon? Transmettez que je suis d'accord sur ce point. La fange du cochon est préférable à certaines vieilles endives. Il est d'accord avec vous, la fange est préférable. Je reconnais bien là les goûts culinaires de cet animal. Madame Palissard reconnaît bien là les goûts culinaires. Les goûts culinaires, les goûts culinaires. Et quand je dis les goûts, je devrais dire les goûts, parce que certains râbles de lièvre marinés ne sont pas sans évoquer les sous-sols de New Delhi. Il semblerait que certains râbles... Apprenez à certaines crudités avariées que lorsqu'on est déguisé en maison close, on ne donne pas de leçons de goût. Certaines crudités déguisées en maison close ne doivent pas donner, mais ça ne veut plus rien dire du tout, là. Maison close? Un petit ensemble à 3000 balles? Maison close, un petit ensemble à 3000 balles? 3000 balles? Et alors, on ne lui demande pas le prix du lièvre au kilo? C'est 2980 francs de trop. Quand je pense à tous ces tombereaux de nourriture... Avec 20 francs, on peut s'acheter des serpillères beaucoup plus jolies que ça. Il y aurait de quoi subvenir aux besoins d'un village bantou. On pourrait aider la recherche. J'ai compris nos sorciers, les ébus, les enfants, les grands petits. Des trucs à 3000 balles. Je vais pas vous faire goûter. Ah, bien, madame la façon palissard. Et gratuitement, ils sont pas dans les écoles. Avec des trucs ridicules, ils se mettent à derrière. C'est très cassant à la fin des prestations comme ça. Died in my arms in a hospital.
je suis en retard. Non, 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 non. Venez dans ma chambre, j'ai quelque chose à vous dire. Bon. Asseyez-vous. Ma chère Delphine, vous avez pu constater de quelle manière je suis traitée dans cette maison. Moi qui suis la bonté même. Moi qui donne au téléthon. Cet homme, hier soir pour le dîner, il m'a servi des sardines à l'huile. Vous vous rendez compte? Et pendant ce temps-là, il se coiffrait de paupiètes à l'estragon. C'est un sadique. À propos, il n'a pas pris sa pilule rose pour la circulation hier soir. Vous serez gentil de l'en toucher un mot. Il faut qu'il en prenne deux aujourd'hui. D'accord. Ce n'est pas tout. Vous ne savez pas le plus beau. Il m'a piqué toutes mes chaussures. Pendant que je dormais. Toutes. Oh, le salaud. Il devait être encore complètement ivre. Ça a dû exacerber ses lubies fétichistes. Non, parce que c'est un maniaque. T'es malade. Delphine, je voudrais vous parler un instant. Oui. Tout de suite, s'il vous plaît. C'est-à-dire que... Oui. Oui, bien. Vous savez ce qu'il y avait là-dedans? Non. Des clés. Les clés de ma cave. Tous mes grands bordeaux. J'ai rien touché, moi. Vous non, mais la folle de Chaillot, par contre. Je suis très inquiet. Elle essaye de m'atteindre dans ce que j'ai de plus cher, de plus profond. Vous n'auriez pas chouravé ses grolles, par hasard? Non, mais c'est pas pareil. Elle va nous ruiner en robe. Elle est plus responsable de ses actes. Rendez-lui ses chaussures. Elle vous rendra vos clés. Non. Faut pas qu'elle sorte. Il y a des enfants, des innocents dehors. Elle est dangereuse. C'était quoi comme bordeaux? Oh, taisez-vous. Pomerol. Des Saint-Estèphe. Oh. Des Saint-Émilion. Ah. Des Médocs. Des premiers crus, des grands crus. Bon. Ces souliers sont dans le coffre de la voiture. Ok. Au fait. Vous avez oublié une pilule rose hier soir. Ah oui, c'est vrai. Ben, rappelez-lui qu'elle a rendez-vous demain avec son ophtalmo. Eh bien, foutu d'oublier encore. Oh. Ah. Mireille! Mireille! Oui, t'as quel sujet? Vous voulez vos chaussures? Ben oui. Ou alors il faut rendre les clés que vous avez taxées. Lesquelles clés? Je ne vois pas. Si d'aventure je les avais, qu'est-ce qui me prouve? Rendez les clés. Les chaussures sont dans le coffre de la voiture. Bon. Demain. Ophtalmologiste à 5h30. Ah oui. Merci, merci. De rien. Elle l'a vendu. Elle l'a vendu. Oui. À qui? Ben, elle l'a mise chez un garagiste et c'est parti tout de suite. Comment ça, c'est parti tout de suite? Ben, elle l'a vendu pas trop cher. Combien? Un bâton. Un bâton. Non, mais c'est une folle. C'est une hystérique. Une voiture qui avait même pas 20 000 kilomètres. Elle a acheté un vélo. Quoi? Un vélo pour faire du vélo. Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Fallait pas vider les comptes aussi, hein. 10 000 argent à l'abri, j'ai bien fait, non? La preuve, 10 000 balles. 9 000. 9 000? Oh, très bien. Je préviens la police. Je vais me venger, ça va faire mal. Ça va faire très, très, très mal. Vous arrêtez un peu tous les deux, vous n'allez plus être très drôle bientôt, hein. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Personne ne cherche à être drôle. Il faut faire quelque chose. Oui.
la mettre dans une cage au milieu du désert avec des hyènes. Puis au fait, je ne vous ai pas dit. Elle a eu un malaise tout à l'heure. Comment ça? Oui, une chute de tension avec une chute de vélo et le docteur. Le docteur? Ben oui, SOS médecin. Alors il voulait appeler une ambulance, elle a refusé. Elle a refusé le plâtre aussi. Et puis elle est revenue tranquillement en vélo et... Mais c'est une inconsciente. Où est-elle maintenant? Partez acheter une robe. Oh là là, mais il faut qu'elle rentre, il faut qu'elle se repose, il faut qu'elle s'allonge. Je sais ce que je vais faire. Je vais lui préparer un filet de turbo aux pointes d'asperges. Faut que je retrouve la recette. Robert! Hein? Mais j'ai pas le temps maintenant! Robert! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ben, c'est pas vrai. Elle a pas eu de malaise. Comment ça, c'est pas vrai? Pourquoi vous m'avez dit ça? Pour voir quelque chose. Mais pour voir quoi? Finalement, vous l'aimez bien, votre femme. Oh, vous pouvez pas comprendre, vous êtes trop jeune. Et moi aussi, je vous aime bien. Vous avez un cœur gros comme ça. Et ça me plaît. Ah bon? Ah, je suis bien, Robert, avec toi. T'es super doué, tu sais. Oui, je sais. Oh, arrête, ça me chatouille. Embrasse-moi encore. Mais oui, je vais t'embrasser. Je vais t'embrasser. Ah, tu m'embrasses si bien. C'est vrai. T'es une bête. Tiens. Moi, j'aurais jamais cru, tu sais. Viens, on va refaire l'amour. Oh non. Oh. Bon, non, pas maintenant. Mireille pourrait rentrer, allons. Alors, tu veux bien aller me chercher mes cigarettes? Mais d'accord. Non, pas là. C'est à côté. D'accord. Tu as fait ça, tu... En 30 ans, c'est la première fois. Écoute, Mireille. Oh non, non, je sais. J'étais méchante. Non, c'est moi. Non, non. Je t'en ai fait voir, alors évidemment. Maintenant, elle est jeune, elle est jolie. C'est toi qui es jolie. Oh non, non, c'est pas la peine. Je le pense. Pour moi, tu es la plus belle. C'est foutu maintenant. Rien n'est foutu. On est allé trop loin. Je vais m'en aller. Non. Oui, je vais m'en aller. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Qu'est-ce qu'on ferait sans nous? Je vais partir. Je vais te laisser avec... Je vais te laisser avec... Viens. Ah, j'aurais jamais cru, hein. Viens, on va faire l'amour. Mais quel menteur! Mais quel menteur! Menteur! Escroc.